Chers amis, je me trouve à la mairie de Pifon avec monsieur le maire Xavier Rosalie. Donc à la mairie de Pifon, comme dans l'immense majorité des mairies de la République française, vous trouvez le portrait du président de la République, quelle que soit l'étiquette politique du maire, c'est les usages républicains. La Macronie, les députés macronistes ont voté tout dernièrement un amendement dans le cadre d'une loi pour obliger à pavoiser les mairies avec la bannière européenne. Il y a un amendement qui est totalement scandaleux, qui est digne des pires dictatures, finalement, de la Corée du Nord ou autre, où il y a des leaders maximaux. Cet amendement vise à obliger les mairies à afficher le portrait du président de la République. Ce n'était pas obligatoire, ça va devenir obligatoire. Donc, monsieur le maire de Pifon, Xavier Rosalie, a pris une initiative que je me laisse présenter. Alors voilà, mes chers amis, donc oui, en effet, je respectais les us et coutumes de la République française, à savoir les valeurs de la République, les symboles de la République, Marianne, les drapeaux bleu, blanc, rouge, et le portrait du président de la République en place actuellement. Donc, comme le dit Julien Odul, notre député favori, ce président nous impose, encore une fois, là il aurait utilisé le 49-3, mais il aurait pu, encore des jours de dictateur, voilà. Donc moi je vais respecter la loi, puisque maintenant c'est marqué, c'est gravé dans le marbre. Donc je vais afficher ma photo, mon portrait que j'ai choisi, qui pour moi correspond le mieux au président de la République actuelle. Donc symboliquement, je décroche le tableau qui était installé, je répète, sans aucune obligation, qui faisait partie des usages et coutumes. Et je vais le remplacer par le portrait du président. Et vous allez voir, c'est un portrait aux dimensions de l'estime que j'éprouve pour ce président. Voilà. Donc, vous allez voir, la grandeur du portrait du nouveau. Magnifique. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit président. Il aura marqué l'histoire par sa méchanceté envers le peuple et envers la patrie. Donc, c'est un petit homme, pour moi, il est tout petit, donc c'est un petit portrait. C'est un timbre de poste, un pins. Et surtout, vive la République et vive la France.